Mes amis, bonsoir, ravi de vous retrouver comme tous les soirs depuis plus de 4 mois. Je suis vraiment content de vous retrouver, mes amis, les peuples, le peuple de France, les peuples du monde entier, les gilets jaunes, parce que par définition, le peuple doit et est gilet jaune. Le peuple n'est pas la minorité d'élite esclavagiste, le peuple est gilet jaune et c'est la révolte des esclaves. Les amis, je vous ai préparé un petit travail pour ce soir, c'est pour ça que c'est inscrit spécial. Par rapport donc à l'acte 23 et aux multiples, parce qu'il n'y a pas eu que Ramos, hein. Là, ils ont fait la totale, hein, des multiples blessés, faux blessés, comme d'habitude, comme ce Jérôme Rodrigue éborgné, mais pourtant qui ne ressemble pas aux vrais éborgnés, qui eux, pour le coup, n'ont pas droit à son abonnement, tout compris dans tous les merdias. Eh bien, regardez, tout le monde a été blessé. Tout le monde s'en fout de Notre-Dame. Il est bien là le drame. Allez, on regarde. Commentez, bien sûr. Donc, vous reconnaissez mon travail concernant Jérôme Rodriguez. Donc, Jérôme Rodrigue. Joue le jeu de donner au gouvernement et au système de quoi nous décrédibiliser, un peu comme les autres. Donc là, on parle de Notre-Dame, et il est parti dire, comme d'habitude, tout sauf ce qui concerne les vrais sujets comme la franc-maçonnerie, comme les guerres, comme nos enfants, comme la pédocriminalité. Et il a filé, donc, comme fait Drouet avec Castaner, il a filé la perche au système au travers de Jacques Marie Lossian, député LREM, pour que ces derniers donc s'en sortent bien. Et assimile le vrai complot et le vrai attentat de Notre-Dame à la mascarade Jérôme Rodrigue. On va l'écouter avec attention, non, parce que lui ne nous fait pas attention à nous, d'accord? Maintenant, stratégiquement, il devait l'annoncer en début de semaine. Il ne l'a pas fait pour un malheureux incendie dans une cathédrale, je trouve ça regrettable, hein. Le monde a l'air d'arrêter de tourner quand il y a un incendie en France. Je pense que c'était surtout une stratégie gouvernementale pour aller balancer un petit peu d'infos, soi-disant par des fuites, et retravailler son discours derrière pour toujours mieux nous vendre son programme électoral, chose qu'on ne veut plus aujourd'hui et qu'on vient dénoncer justement pendant la... Donc, Jérôme Rodrigue n'en a rien à faire de l'Église, c'est ce qui permet... Donc à ce député de s'en sortir et... D'une grande débilité, tout ce que je viens d'entendre. Avant, vous avez le débile, il racontait ses débilités au café du coin, et à 10h du soir, le patron du café lui disait « Rentre chez toi, ta femme t'attend. » Là, le débile du coin, il tape ça sur Internet et ça fait le tour du monde. J'attends la prochaine... En prononçant ce mot, vous incarnez aussi la fracture. Mais oui. J'attends celui qui va nous expliquer que l'incendie de Notre-Dame, qui n'est pas un simple malheureux incendie dans une quelconque église, est un complot ourdi par le président de la République pour faire durer le plaisir. Des gilets jaunes. Donc on est où? On est dans quel monde? Je m'inquiète de l'évolution de la démocratie. Mettre des mots que vous avez employés pour parler hein, de Jérôme Rodriguez à l'instant qui s'exprimait. C'est une débile. Je dis le mot débile profond. Vous l'aurez. Je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est plus que débile, hyper débile. Au lieu de parler de l'orchestration, de l'attentat, eh bien, comme d'habitude, il fait le job. Et là, on a alors Ludowski aussi blessé.
On lui a jamais rien demandé. Donc là, il y a la déclaration. Voilà. Donc vous l'avez ici. Déclaré jusqu'à 22h. À qui ? Là, ça m'intéresse. À qui ? Là, ça m'intéresse. Vous m'avez dit quoi ? Vous en branlez ? Vous m'avez dit ? Vous m'avez dit quoi ? Non, je me casse pas, non. Je me casse pas, c'est déclaré jusqu'à 22h, je me casse pas. Ok ? Ok, donc tu vas te détendre. Non, c'est toi qui vas te détendre. C'est toi qui vas te détendre. Parce que c'est déclaré. C'est déclaré jusqu'à 22h. C'est déclaré jusqu'à 22h. D'accord ? Donc tu me dis pas que tu t'en branles. D'accord ? Mais toi, tiens, regarde. Attends. Lâche-moi. On me l'a mis dans l'œil. Donc le but de chacun de ces serviteurs du système, c'est d'aller à chaque fois se jeter sur les cordons de CRS en espérant des images explosives pour faire le buzz et pour continuer à avoir une actualité, mais sans jamais dénoncer les vrais sujets, sans jamais parler de la franc-maçonnerie, des guerres qui coûtent 300 milliards par an, de nos enfants, des vaccins, des chemtrails, sans jamais demander un revenu universel. Bon, là, on a encore un faux reporter, hein, et Gabin Froment, du média Vécu. Ce faux média, apparemment lui aussi s'est blessé à la main. C'était la journée des blessures pour ces kamikazes faux gilets jaunes merdiatisés. Donc là, je vous épargne parce que ça n'a aucune consistance de l'écouter. Je ne comprends pas comment en si peu de temps ces faux medics, ces street medics ont pu lui faire un tel bandage. Alors, elle n'était pas pressée d'aller aux urgences. Il est parti s'asseoir à un bar, faire une belle photo. Et donc la main dans le bandage, comme Ramos, le nez cassé mais qui n'est pas cassé, eh bien il a continué quand même. À filmer et à faire son travail de faux journaliste. Tout le monde a été blessé ce jour-là. Voilà, il a Bobo à la main. Ramos, Bobo au nez. Rodrigue s'est fait Bobo. Et c'est Gladiateur Ramos qui est venu à son secours. Donc vous voyez à quel point c'était dangereux, place de la République.
Et là, donc, nous avons vu au début la présumée sœur de Rodrigue. Rodrigue qui invective tout le monde, qui est entouré par toute sa bande, voilà, des doigts d'honneur, même une gamine de 5 ans qu'on nous dit. Je vous avais montré une partie de cette vidéo. Les têtes de mort sur leur gilet jaune. On est complètement dans l'anti-valeur. Voilà, mamie machin, mamie machine. Tant qu'à faire, on met le drapeau suisse. Vous voyez à quel point c'est dangereux, hein. Ça bombarde dans tous les sens. Ils sont en train de manifester pacifiquement et regardez, vous le voyez sur les images, ils sont attaqués par les méchants CRS. Ah bah tiens, mamie machin. Ils sont harcelés par les CRS. Franchement, on ne veut pas les laisser manifester, Rodrigue et sa bande. C'est pas possible. Non, c'est pas drôle. Je pense qu'il va falloir aller chercher les CRS. Là, c'est plus drôle. Parce que sinon, on pourra pas faire d'image, hein. Va falloir trouver un cordon de CRS pour aller les invectiver. Comme sait très bien faire Maxime Nicole. Hein. Alors demandez combien il gagne pour le week-end. Et lui qui manipule tout le monde, qui veut pas parler des sujets sérieux, eh bien il a le culot de dire au CRS que contrairement à eux, lui, il dort tranquille. Voilà Ramos, vous l'avez vu, l'image. C'est bien tartiné, hein. Ouais. Mais c'est devenu trop voyant. Pareil, je vous ai passé la vidéo. Il dit que son nez est cassé. On voit bien que son nez est intact, comme l'œil de Rodrigue qui est intact. Regardez les images des vrais éborgnés et comparez-les avec Rodrigue. Voilà Rodrigue qui était sauvé par le haut courageux. Ramos, sa sœur, visiblement, n'a pas pu l'aider. Ce gladiateur, visiblement, n'a pas pu l'aider non plus. Il y a la République En Marche qui a tout pris, que ce soit les sièges, la présidence, tout, ils ont le monopole sur tout. C'est grave, mais
Ouais, voilà, pour revenir à ça, là, les manifestations, de toute façon, il faut les continuer. Hein, c'est une question de logique. C'est montrer notre présence en tant que manifestant, c'est très important. Ensuite, il y a des groupes comme celui de Michael, qu'on a pu voir aujourd'hui. J'ai partagé la publication, les actions Starbucks. Il y avait déjà eu Facebook. Il y aura d'autres actions, c'est très important de suivre ce groupe, que je repartagerai encore. Ils ont plein d'idées en tête. Nous, on fera le maximum pour aider ces actions-là, ce qui dénonce les fraudes fiscales de certaines grandes entreprises. Donc ça, de ce côté-là aussi à faire. Il y a un site internet qui va arriver, qui va être très complémentaire de tout, qui va mettre tout le monde en relation, qui va être pas mal. Il y a pas mal de choses qui arrivent. On n'a pas forcément réponse à tout. On est de simples gilets jaunes, de simples employés. On découvre le monde des manifestations comme certains. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Hein. On n'est pas les chefs, on n'est pas les leaders. On est de simples gilets jaunes comme vous. Après, on essaye de partager beaucoup de choses, d'être au centre des réseaux pour pouvoir relayer le maximum d'informations intéressantes et complémentaires par rapport au mouvement. Je voulais revenir aussi sur certains groupes qui essayent de nous interpeller sur les manifestations. Beaucoup, hein, que ça soit moi, Mike ou plein d'autres. Bon, tous ceux qui essaieront de me questionner sur la franc-maçonnerie, etc., ça sert à rien de venir me voir. J'ai pas envie d'en parler, j'en parlerai pas. C'est pas un sujet qui me concerne. Donc, si ça vous amuse d'interpeller plein de monde là-dessus, faites-le, mais pas avec nous et pas avec moi, parce que c'est très fatigant. Donc, on ne va pas tergiverser 3 ans sur cette cathédrale, sur ce groupe. Juanito qui fait du placement de produits sur le dos de la cathédrale, qui n'intéresse pas les gilets jaunes merdiatisés, visiblement. Vous êtes avocat au barreau de Paris, auteur de ce livre Crépuscule aux éditions au Diable Vauvert Marot. Et Bernard Arnault, le lendemain matin, je suis désolé, mais c'est un geste un peu psychopathologique, décide de surenchérir, non pas d'égaliser, mais vraiment de montrer que c'est lui le milliardaire ou lui l'oligarque qui en est fait pour... Une sorte de bataille de cop. C'est terrifiant. Et... Bon beau cop, chacun son truc. Hein ? Moi je préfère être de mon côté, au moins je dors bien la nuit, quoi. Voilà. Ah, c'est bien, ça fait caméra interposée. Il y a combien de personnes derrière la vôtre ? La DGSI, 4-5 dans un bureau. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Ah, je sais, c'est pas grave. Pardon ? C'est bien, et vous êtes fier, c'est bien ? Ah bah oui, je suis content, moi. C'est bien. Mais moi, je dors bien le soir. Est-ce que vous voulez dormir, c'est pas fini. Ça m'étonnerait que tu dors bien. Hein. Ça m'étonnerait que tu dormes bien. Et je t'assure que moi, j'aurais été ce policier qui travaille sur son week-end pour 500 euros pour se faire emmerder par toi. J'aurais été à sa place, j'aurais été fier aussi. Beaucoup plus fier que toi. Lui, c'est pas un contre-révolutionnaire, mon gars. Et moi, je dors bien le soir. Est-ce que vous voulez dormir, c'est pas sûr. Elle sera reconstruite. Alors elle sera pas reconstruite forcément à l'identique, mais l'histoire c'est ça aussi. L'histoire c'est des changements, c'est des bouleversements. Donc c'est une cathédrale qui aura un bout de son histoire qui se crée maintenant.
Par la destruction, il y aura la création. Ordo ab chao, il vous dit. Ordo ab chao. Par la destruction, naît l'ordre. Et la dernière chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que je ne suis pas religieux. Je ne suis pas du tout religieux, donc je ne m'éterniserai pas 3 heures sur une cathédrale. Premièrement, parce que ça ne... C'est 3 heures, ça fait trop hein, pour le haut symbole des valeurs en France et dans le monde. Hein. Tu te rends compte? 3 heures de ton temps? Premièrement, parce que ça ne représente pas un symbole autre qu'un symbole historique pour moi. Et je laisserai les personnes qui sont religieux s'occuper de faire ce qu'ils pensent nécessaire pour prendre le temps et le recul, parce que ça a dû forcément leur faire très mal de voir ça. Et je respecte énormément les gens qui sont religieux, même si je ne suis pas croyant. Donc voilà, il nous respecte, il vous respecte, mais c'est pas ses oignons. Pourtant, c'est lui qui a la parole médiatique et c'est lui qui peut défendre nos revendications. Mais non, ça c'est... Faites-le dans votre coin... Dans l'ombre, moi, ça m'intéresse pas. Chacun est libre de croire, mais chacun aussi est libre de ne pas croire. C'est ça la laïcité dans notre pays. Donc je laisserai les chrétiens et les musulmans être d'accord, enfin se mettre d'accord, puisqu'il y a aussi des musulmans et des juifs qui ont porté leur soutien aux personnes chrétiennes, françaises et dans le monde entier d'ailleurs. Donc je les laisse faire ça. C'est pas moi qui vais pouvoir faire quoi que ce soit, je peux pas les aider. Je les soutiens, parce que psychologiquement pour eux, ça doit pas être facile. Pour l'histoire, c'est pas facile non plus, mais voilà, l'histoire c'est comme ça. Il y a des chamboulements, c'est un chamboulement. Maintenant, et pour ne pas faire de mauvais transferts, ça c'est ce que je voulais dire par rapport à cette cathédrale. En ce qui concerne ce pourquoi ce groupe est fait, ce groupe est fait pour diffuser des informations sur un mouvement populaire, national, qui s'appelle le mouvement des Gilets jaunes. Donc, on ne va pas tergiverser 3 ans sur cette cathédrale, sur ce groupe. On continuera à diffuser des informations sur ce mouvement, parce que pendant ce temps-là, il y a aussi, malheureusement, des gens qui crèvent la dalle. Il y a aussi malheureusement 9 millions de pauvres et il y a aussi malheureusement des gens qui ne finissent pas leur fin de mois et qui, même en créant une entreprise, n'arrivent pas à s'en sortir. Et c'est pour ça qu'on se bat. Donc je ne vais pas devenir un... Non, il n'y a pas que pour ça qu'on se bat, mais toi tu as décidé justement de limiter la révolte des esclaves, la révolte pour les valeurs, à uniquement ces 2-3 sujets qui n'arrivent pas en haut du classement, comme ton pouvoir d'achat, ton RIC et toutes vos conneries. Un personnage médiatique qui rentre dans toutes les brèches. Mais elle sera reconstruite. Alors elle sera pas reconstruite forcément à l'identique, mais l'histoire c'est ça aussi. L'histoire c'est des changements, c'est des bouleversements. Donc c'est une cathédrale qui aura un bout de son histoire qui se crée maintenant. Par la destruction, il y aura la création. Un malheureux incendie dans une cathédrale, je trouve ça regrettable. Hein. Le monde a l'air d'arrêter de tourner quand il y a un incendie en France. Donc on ne va pas tergiverser 3 ans sur cette cathédrale, sur ce groupe. Bon, tous ceux qui essaieront de me questionner sur la franc-maçonnerie, etc. Ça sert à rien de venir me voir. J'ai pas envie d'en parler, j'en parlerai pas. C'est pas un sujet qui me concerne. Donc si ça vous amuse d'interpeller plein de monde là-dessus, faites-le, mais pas avec nous et pas avec moi, parce que c'est très fatigant. On ne peut faire plus clair. Ils vous disent tous, la cathédrale, la franc-maçonnerie, etc., c'est pas leur combat. Eh bien, ça fait longtemps qu'on le sait. Et alors, les derniers qui n'ont pas encore ouvert les yeux, leur fan club, ouvrez les yeux une bonne fois pour toutes. Ces gens-là sont juste mis là, encore une fois, pour servir à débrancher le mouvement, pour emmener le mouvement vers de fausses revendications, vers des instruments de la franc-maçonnerie comme le RIC qui servira uniquement au système et à la franc-maçonnerie de gagner beaucoup de temps, alors que aujourd'hui
nous pouvons réclamer un nouveau monde, un nouveau système, en nous pouvant réclamer énormément de revendications pour les êtres humains, pour nous, pour le peuple, pour l'humanité, pour les autres pays, pour stopper les guerres, pour élever nos enfants selon nos convictions, selon nos choix et pas les choix de l'État qui prend possession des enfants. Aujourd'hui, nous pouvons dénoncer le comportement des placements abusifs d'enfants, de l'ASE, nous pouvons dénoncer les attaques contre notre santé au travers des vaccins, des médicaments, nous pouvons réclamer un revenu universel qui nous permettra à toutes et à tous de vivre dignement et de ne pas céder aux divisions que ce système essaye de à chaque fois allumer entre les hommes et les femmes, les différentes classes sociales. Nous pouvons aujourd'hui réclamer une école pour nos enfants qui transmettent le savoir, mais qui n'est pas là pour monter les enfants contre les parents, pour transmettre certaines idéologies et pas d'autres. De la même manière, nous devons et nous pouvons réclamer que les médias ne servent pas uniquement à véhiculer le message du système, à manipuler les cerveaux. Pareil, nous pouvons et nous devons réclamer qu'il n'y ait plus d'organisation ou de groupe de personnes qui dominent toutes les institutions dans notre pays. Et là, je parle de la franc-maçonnerie. La laïcité doit s'appliquer comme elle s'applique à l'église, aux mosquées, aux synagogues, elle doit s'appliquer aux loges maçonniques. Nous ne pouvons plus accepter d'avoir une assemblée nationale, des gouvernements, des présidents, toutes nos institutions qui sont occupées par des francs-maçons. Ce n'est plus acceptable. Voilà, Éric Drouet, Ludowski, Maxime Nicole, Sophie Tissier, tout le monde, écoutez, vous faites du mal au mouvement. Le problème, c'est vous. Vous êtes les proxénètes de nos malheurs. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Alors, très rapidement, bonsoir et bonne nuit. Donc, aux quelques personnes qui ont écrit un commentaire. Bonsoir et bonne nuit à Joachim, Geronimo. Bonsoir à André Couture. Alors, Simon, je t'ai bloqué parce que le BFM du complot, il t'a bloqué. Evelyne Pinson, bonsoir. Je crois que je t'ai bloqué toi aussi parce que je comprenais pas trop tes commentaires. Les amis, si vous n'avez pas... Je vais dire, si c'est pas intéressant, ne faites pas de commentaires, ça sert à rien. Patrice Richard, bonsoir. Ginette Riester, bonsoir. Tony Nero, bonsoir. Pareil. Alors, c'était où? Allez. Ginette à contre-cœur, je te bloque parce que je ne comprends pas tes points d'interrogation, c'est pas un commentaire ça. Ensuite, qui d'autre? Colette Del, bonsoir. Francis CH sur VK, là je peux voir VK. Bonsoir Francis, comme d'habitude tu es présent. Qui d'autre? Asya Marie, bonsoir. Le Nien Pipi, bonsoir. Voilà Francis Sordo Abkao. Sherazade Ben, bonsoir. Diane César, bonsoir. Tutu. Olga Santos, bonsoir. Et pour finir, Valana Motonui est là sur mon YouTube de secours. Bonsoir. Allez les amis.
Toutes les personnes que je n'aurais pas saluées, je vous salue d'avance. Tiens, on a Dany Basquin. Merci pour tes recherches, Mehdi. Merci pour ton soutien, frérot. Dany, je pense que tu es un homme. Merci pour tout. Sherazade, oui, j'ai expliqué beaucoup de choses dans plein d'autres vidéos. Les amis, donc n'oubliez pas, à 13h demain, comme tous les jours, mettez votre gilet jaune et samedi, acte 24, tout le monde vit normalement. On va pas chercher les CRS pour faire des images, mais c'est ça tue le mouvement. C'est, on donne des perches à nos diabolisateurs pour qu'ils nous tombent dessus. C'est pas le but. Et arrêtez de déclarer. C'est qui ces personnes qui déclarent, Sophie Tissier et les autres? On vous a rien demandé, ne déclarez rien. On veut vivre normalement, mais avec un gilet jaune sur le dos. C'est pas interdit. Les amis, on se retrouve demain soir, ce soir, parce qu'il est minuit 9, comme d'habitude, parce qu'il en va de ma sécurité. Bonne nuit les amis.